Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, jeudi 16 décembre, je suis contente d'être de nouveau de retour dans ma petite routine habituelle, même si j'ai l'impression que c'est plus trop ma routine. Hier, quand je suis arrivée, je savais plus rien, genre je voulais travailler, je cherchais les prises dans mon appart et tout, je disais mais comment je fais d'habitude, genre je savais plus rien. New York, ça m'a complètement déconnectée de tout. Même là, j'ai eu genre une vague de, pas une vague de stress, c'est un peu trop. J'ai été un peu stressée hier parce que le fait d'être sur le même fuseau horaire que tout le monde, tu vois ce que les gens font et tu vois ce que toi tu fais au même moment, alors que quand t'es sur un autre fuseau horaire, bah c'est pas au même moment, donc ça te fait pas le même effet. Et j'étais vachement déconnectée, genre je regardais pas vraiment de vidéos sur YouTube de gens que je connaissais, les stories Instagram et tout, ça te fait pas pareil parce que c'est pas la même heure, genre tu t'en fous. Ça m'a un peu stressée, mais bon, tout va bien. Je suis quand même très contente d'être là, je me suis fait un petit déj, j'avais envie de me faire un mini matcha, je sais pas pourquoi, je trouvais ça trop mignon comme à la japonaise dans les petits verres et tout. Et je me suis fait un petit déj, et ça je sais d'avance que je vais être déçue parce que mon petit déj à New York, ce beurre de cacahuètes, céréales, on pourra jamais faire un meilleur mélange, mais bon, c'est la vie. Programme de la journée, ce matin je vais ranger mes valises, je vais faire des machines, je vais faire tous ces trucs un peu chiants, mais comme ça je suis débarrassée et après je me sentirai trop bien. Ensuite je vais me préparer, etc, travailler un petit peu, et on va aller à Paris avec Jérémy pour un petit peu se balader, voir l'ambiance de Noël, peut-être commencer à acheter des cadeaux, etc. Donc je pense que ça va être cool. Vous m'aviez dit que vous vouliez une ambiance Noël dans les vlogs, donc je vais vous en donner. Enfin voilà, une bonne journée. Viens Miso dire bonjour. Oui. Il a une cabane. Je déteste qu'il y a plein de plaids sur les canapés. Et maintenant j'ai un canapé avec plein de plaids. Vous savez ce que c'est le problème? C'est qu'il me reste des cookies les 20. J'ai trop envie d'en manger un là. Non, je vais pas le faire. Plus tard. Let's go. Ça y est, je suis prête à partir. Il fait tellement gris dehors. Et j'ai mis une tenue que j'aime trop. Mon manteau, un col roulé noir. Ce pantalon, je suis désolée, il y a la machine à laver qui est en route, ça fait du bruit. Qui vient de chez Pull&Bear, qui est trop beau. Avec mes hugs pour petite tenue détente. Et let's go, je vais rejoindre Jérémy pour y aller. Alors, je suis avec Jérémy. Du coup, on va aller faire un petit peu les magasins et se balader. Et aujourd'hui, on doit trouver un cadeau à ta mère. Il faut que tu lui dises de pas regarder le vlog. Je sais pas ce que tu peux lui offrir. Je sais pas quoi lui offrir. T'as une idée, toi? Des chaussettes. Je pense qu'il faut aller dans un magasin où il y a plein de trucs et voir. Parce que franchement, j'ai pas d'idée. Et en vrai, oh, il y a pas. Oh, oh, j'ai une idée. Tu sais ce qu'il y a en ce moment à Paris? Non. Le marché de Noël aux Tuileries. Et vous savez, j'ai remarqué un truc depuis que je suis rentrée. En fait, hier, quand je suis sortie de la voiture et que je suis arrivée chez moi, je me suis rendu compte que dehors, c'était hyper humide comparé à New York. Même si la température est plus basse à New York, il fera toujours plus chaud qu'à Paris. Parce que je vous jure que là, à New York, il y avait des jours où il faisait vraiment genre 4 degrés. Et là, hier, il faisait 10 degrés, je crois. Et le problème, c'est l'air sec, en fait. C'est comme au Canada. Mais c'est ça. Il fait moins 30 à Montréal, genre t'as moins froid que quand il fait 0 degré à Paris. Ouais, genre là, vraiment, l'humidité, il faisait vraiment froid, froid, froid. À New York, le seul truc qui est froid, c'est le vent. C'est pas du tout pareil. Genre, c'est tellement plus supportable. Ici, c'est vraiment désagréable. Genre, c'est humide et tout. Et là, je m'en suis vraiment trop rendu compte parce que pour le coup, j'ai fait le changement direct quoi. J'étais choquée. Place Vendôme. Trop mignon, le petit sapin. On est au printemps. Franchement, Jérémy il m'aide pas du tout, c'est sa mère et il m'aide pas. Sympa. Joli. Super, ouais. Super joli. Parfait. Alors ça c'est plaqué or. Hein. Ok, super. Ça y est, et on a trouvé un petit cadeau. On a pris un collier chez Agatha. Donc j'espère que ça va lui plaire. Oublie pas de lui dire de pas regarder le vlog. Ouais. Du coup, on se balade, on est à Opéra. C'est grave tout parce qu'il fait pas si froid. Quoi? Puis on va acheter. Moi j'en veux juste quelques vrais cup noodles. Ah ouais, de ouf. Les cup noodles de Japon, ouf. Genre des importés du Japon, les vrais. Ah oui, ah oui. Ah non, mais on va refaire encore pour la 150e fois. Je vais reparler des cup noodles. Parce qu'à chaque fois, vous vous moquez de moi. Quand vous allez à Carrefour, je sais pas où, et vous achetez des cup noodles de la marque Cup Noodle et que vous regardez où elles sont fabriquées, elles ne sont pas fabriquées au Japon. Et donc, elles sont moins bonnes que celles dont je vous parle, ok? Donc on va aller dans le magasin japonais parce qu'à Opéra il y en a plein où ils vendent des vrais cup noodles. Oh, trop bien, comme ça ce soir j'en mangerai. Je mange que ça là depuis New York, c'est un truc de ouf. Après je pense qu'on va aller au marché de Noël pour se mettre dans le mood. Et en vrai je me rends compte, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de déco à Paris qu'à New York. De déco de Noël, de sapin, etc. Je me rends compte parce qu'il y a beaucoup plus de trucs à filmer. Donc c'est cool pour se mettre dans le mood. Nous on va chez Ace Opéra. Cup noodle, ah ouais, je crois qu'il y en a plus. Les ramen Kiyachu, on va les manger. Ah ça, on va, ouais, on va l'en prendre.
Bon, ben il y a plus de cup noodles. Et sinon, nous, on va en acheter parce qu'il y a ça. Ça, c'est hyper bon aussi. Les Pokémon noodles, elles sont trop bonnes. Et moi, j'ai pris des soupes miso parce que j'aime trop ça. Moi, je veux tester ça. Bon, on a acheté plein de bêtises. On goûtera au fur et à mesure des vlogs, du coup, je pense. Et regardez ce que j'ai acheté. On fera un crash test des Kit Kat au matcha. C'est vraiment fait pour moi. On va voir. Bon, on va aller au marché de Noël. Je vais vous raconter l'histoire. En gros, ça fait depuis que je suis avec Jérémy que je vais lui faire goûter un truc qui s'appelle des croustillons. Et la première fois que j'ai goûté, c'était aux Tuileries à Noël, au marché des Tuileries. Et à chaque fois que je l'emmène quelque part où il devrait y avoir des croustillons, il y en a jamais. La légende des croustillons. Bah si, ça existe. Bah. Ça existe. Bah non, mais c'est un truc de base. Parce que tout le monde a les panneaux croustillons et personne ne vend de croustillons. Comme ouais. C'était un truc qui se vendait il y a 5 ans, ils ont pas. Ouais, mais j'en ai pas goûté il y a 10 ans. Hein. C'était là, genre il y a 3 ans, tu vois. Ouais, c'était 3 ans, on a fait toutes les fêtes de la Terre, on a jamais vu de croustillons. Mais moi, les premiers que j'ai goûté, c'était aux Tuileries. Donc on va aller aux Tuileries et on va voir s'il y en a. Dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui voient ce que c'est les croustillons. Mais c'est tellement bon, genre c'est meilleur que tout. Trop beau, Place Vendôme. Si vous venez à Paris, venez voir la Place Vendôme. En plus, il y a pas beaucoup de monde, c'est assez calme. Je suis quasiment sûre que c'est là que je les avais mangés. Il y a du monde. Bon, mission croustillon, là je le sens pas, mais on va le tenter quand même. Tu vends moi ça. Tu vois, je savais que j'allais réussir à te convaincre. Je trouve pas de croustillon, j'ai trop le seum, mais en même temps il y a de la raclette partout. Donc j'ai un semi-seum. Mais le problème. Je comprendrai jamais ces histoires de marrons. Pourquoi les gens aiment les marrons? Je trouve que ça n'a pas de goût, j'aime pas la texture. Trop bizarre. Je vous promets, je pourrais manger ça. C'est genre des sandwichs de raclette. C'est un peu tue l'amour, mais c'est ce qui fait que c'est bon. Waouh, il y a de la tartiflette. Oh, Jérémy, il y a de la tartiflette. C'est quoi la tartiflette? Waouh, t'es sérieux? Non, mais Jérémy. Moi, ouais, mais t'es sérieux? Ah, si, c'est avec des lardons et tout, la crème. C'est ça. Oh là là. Franchement, je crois que je vais en prendre. Non, mais c'est hyper bon. Oula. C'est énorme. Ouais, frère, toi, alors toi, ta tartiflette, elle est tartiflette. On s'est posé à l'intérieur, c'est trop bien. Il y a les tables et tout. Regardez juste, attendez, la taille de ma tartiflette, c'est pas possible. En vrai, ça a l'air bon, hein, malgré tout. C'est pas la meilleure, mais c'est bon quand même. Ça manque de fromage. Mon dieu, c'est tellement énorme, on a tout mangé. On s'était dit ouais, on prend les choses et tout, mais là je mange plus jusqu'à la fin de mes jours. Je pense qu'on va rentrer parce qu'il commence à y avoir du monde. J'ai encore la vidéo à monter, donc let's go. On est rentré à la maison. Je ne vais pas vous mentir, je me suis endormie dans la voiture. Je suis toujours dans mon décalage horaire. J'essaie de donner mon maximum pour tenir, mais c'est dur. Là, il est 22h18, il est bien tard. J'ai pas mal bossé, donc je suis contente. Vous savez quand même, je tiens à vous le dire, Noël, c'est la semaine prochaine. Hein. C'est passé hyper vite. Je trouve que j'ai pas fait encore assez de clichés de Noël. On n'a pas fait tout ça. D'ailleurs, demain, on fait le sapin. Donc n'hésitez pas à activer les notifs et à vous abonner à la chaîne pour pas louper ça. Ça va être le premier sapin chez moi. J'ai envie de faire un truc énorme. J'ai envie de faire, je sais pas, on va voir. On va se faire un thé. Jérémy, tu veux un thé? Ouais. Ok. Et en plus, il me reste des cookies, les 20. Quoi? On quoi? On pas quoi? Tu peux pas partager avec moi? Non. C'est vrai? Si, d'accord. Tiens. Merci. Tu veux du thé? Non, mais parce que c'est pour lui, j'aime bien ça. Et tiens. En vrai, il faudrait trop que. Toi, tu connais pas le film de Noël. Faudrait trop que. Dites-moi en commentaire si vous avez des recommandations de films de Noël. Ça y est, en fait, je sais pas, à New York, genre, il y a vraiment grave le mood de Noël. Mais je pense que je m'attendais à un peu plus. Parce que là, je trouve qu'on l'a de ouf à Paris. Hein. En fait, New York, c'est tellement grand que tu peux pas l'avoir partout. Et puis, New York, j'étais plus en mode découverte pour les vlogmas. Mais là, depuis que je suis arrivée à Paris, j'ai envie de tout faire Noël. Demain, on fait le sapin, je vais mettre un pull de Noël. Un pull de Noël? Ouais. C'est vrai? Ouais. Un vrai pull de Noël? Non, un pull que j'ai en ensemble. Sur couleur Noël. Ouais. Pas un pull qu'on t'a offert Noël. En ce moment, je regarde les vidéos d'une américaine qui s'appelle Lauren Giraldo et elle fait des vlogmas. Je pense que c'est la première fois qu'elle en fait. Ça fait plusieurs années que je la suis et franchement, pour celle qui parle anglais et qui aime bien ça, genre elle est un peu, comment dire, genre pas superficielle, mais c'est vraiment le cliché de l'américaine, genre de Los Angeles. Mais du coup, ça rend les choses drôles. Elle en joue un peu, enfin je sais pas, je trouve ça drôle et j'aime trop ses vidéos. Voilà, petite recommandation. D'autres vlogmas, si vous êtes là, c'est que vous aimez ça, sûrement.
Je viens de sortir de la douche, il est minuit et demi, tout va bien. Je fais ma skincare routine, je mange tellement en ce moment, je vous promets, c'est un truc de ouf. Mais au final, à New York, je marchais beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Donc j'avais besoin de plus me nourrir, bien sûr, parce que moi, n'oublions pas que je travaille à la maison. Donc que je reste à la maison toute la journée, du matin au soir, assise. J'ai pas forcément besoin de beaucoup manger parce que j'ai pas forcément ultra faim, même si je mange pas mal, on le sait. Et du coup, à New York, ça a complètement changé mes habitudes. Et là, j'avoue, du coup, j'ai un peu pris l'habitude, donc j'ai tout le temps faim et surtout, je mange plein de bêtises, enfin, c'est clairement la période où on mange vraiment plein de bêtises. Je sais pas si vous voulez que j'aborde le sujet plus souvent, je sais que c'est un sujet quand même assez important, mais on en parle assez souvent sur ma chaîne. C'est vrai que là avec les blancs-comas j'en ai pas trop parlé, mais il y a les fêtes qui arrivent et je veux que vous profitiez de toute cette période sans vous prendre la tête. Vous savez, je le dis toujours et je le répéterai tout le long de cette chaîne, mangez ce que vous voulez tant que vous êtes en bonne santé. Si vous mangez des McDo tous les jours, vous êtes pas en bonne santé, et si vous vous frustrez tous les jours, vous êtes pas en bonne santé non plus. Mon équilibre parfait que j'ai mis du temps à trouver, c'est d'essayer de manger sainement parce que c'est ce que j'aime premièrement, et en plus vous savez que quand je mange pas sainement j'ai mal au ventre, je suis lourde et je n'arrive pas à travailler parce que je suis trop fatiguée. Et autre chose, j'adore la nourriture, j'adore manger des bêtises, j'adore manger des pizzas, des burgers, des tout ce que vous voulez, vous le savez, je pense là c'est bon, on a compris. J'ai mangé tout et n'importe quoi à New York, là je continue de manger tout n'importe quoi, je vais sûrement continuer de manger tout n'importe quoi. C'est une période, c'est comme ça, dans tous les cas il faut pas vous frustrer, et je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire dans certains cas, mais je dois quand même le dire, vraiment faites attention à vous, j'ai confiance en vous, je sais que vous allez réussir à vous faire plaisir. N'oubliez pas de profiter de la vie, on n'a qu'une seule vie. Et je sais qu'à chaque fois c'est un grand sujet pour certaines personnes, mon poids, parce que j'adore manger et que vous n'avez pas l'impression que je prends de poids, etc. On va pas se mentir, j'ai un bon métabolisme, je prends pas forcément de poids. Après par exemple là je peux vous dire que je pense, j'ai pas de balance après, mais je pense que j'ai un petit peu pris de poids, peu importe. Ça ne change pas que ça veut pas dire que je suis pas toute molle parce que je fais pas de sport. D'ailleurs ceux qui font du sport au mois de décembre, je vous admire. Ça veut pas dire que j'ai pas de cellulite, croyez-moi. Là je me suis bien rendu compte à New York. Voilà, je suis une personne normale, on est tous différents et faut vraiment pas essayer de se prendre la tête et de se comparer aux autres. On l'a tous fait, moi aussi je l'ai fait, et je me suis rendu compte que ça me rendait pas du tout heureuse, au contraire. Et ça peut prendre du temps, surtout soyez patient, mais un jour vous allez trouver l'équilibre parfait et vous allez réussir à être heureux vis-à-vis de tout ça, les réseaux sociaux, la nourriture, la comparaison, la confiance en soi, etc. Ça prend beaucoup de temps, moi je ne suis pas du tout parfaite, il y a encore plein de sujets à travailler chez moi, mais voilà, je vous encourage à vous sentir bien et j'ai confiance. Enfin bref, j'ai fini ma skincare routine. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce premier vlog à Paris vous a plu. Il reste encore plein de petits trucs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour pas les louper. Demain on fait le sapin et on va faire d'autres trucs. Ça va être très cool. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je suis active tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve demain à 19h dans une prochaine vidéo. Mouah.